Guillaume Jenton, le blogueur Akabib condamné à de la prison avec sursis pour avoir menacé de mort le chroniqueur de TPMP. Akabib s'était écharpé avec Guillaume lors de son passage dans Touche pas à mon poste. L'ayant ensuite menacé de mort, le blogueur a été condamné par la justice ce jeudi 18 janvier d'après Le Parisien. Un terrible incident qui avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. En novembre dernier, Akabib a révélé avoir été agressé à son domicile par plusieurs hommes cagoulés. Très choqué, le célèbre blogueur avait alors déposé deux plaintes comme l'a notifié Le Parisien. La première contre X et la seconde contre l'influenceuse Poupette Kenza. Sur la toile, le jeune homme avait dénoncé plusieurs de ses pratiques et placements de produits. Toujours selon nos confrères, l'un de ses assaillants, voulant en découdre, lui aurait d'ailleurs mentionné la jeune femme. Ayant eu vent de son histoire, Cyril Hanouna l'avait dans la foulée convié sur le plateau de son émission « Touche pas à mon poste » pour recueillir ses confidences. Mais face caméra, Anis Zitouni de son vrai nom s'était aussi écharpé avec Guillaume Jenton qui lui reprochait son fond de commerce qui peut poser des problèmes. Pour rappel, Akabib est connu dans le milieu de la télé-réalité et les médias pour dévoiler les potins les plus croustillants. Quitte à se faire des ennemis. Point. Quelques jours après leur accrochage, le compagnon Jade Seguinou a également été la cible de virulents messages anonymes sur son téléphone portable. Le tribunal judiciaire de Nanterre a tranché. Protège bien ton crâne et fais attention quand tu sors de chez toi dans le 16e, et protège bien le ventre de ta femme la pute, aurait notamment reçu le futur papa. Craignant pour sa sécurité, Guillaume Jenton avait déposé plainte, suspectant Akabib d'en être l'auteur. Placé en garde à vue, le roi des scoops a fini par reconnaître les faits devant les policiers. Comme l'ont indiqué nos confrères du Parisien ce jeudi 18 janvier 2024, la justice a fini par trancher. Akabib a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, et à l'interdiction d'entrer en contact avec Guillaume Jenton. En plus de sa peine d'emprisonnement, le blogueur a également été sommé de lui verser et à sa compagne enceinte 2 800 € au vu des préjudices subis. De son côté, l'avocat du blogueur, Maître Tom Michel, semblait satisfait du verdict à CTE accent aigu par le tribunal judiciaire de Nanterre. Pointant notamment la fragilité de son client après sa terrible agression, il appelle à ce jour à la sérénité.